Les rapports en provenance de Pyongyang indiquent que l'armée nord-coréenne a subi un énorme choc. La marine australienne a intercepté un cargo nord-coréen à destination de l'Indonésie. Les autorités ont alerté les forces alliées après avoir découvert des ogives nucléaires dans le navire. Les ogives devaient être vendues à des groupes terroristes bien connus. Les troupes alliées ont été déployées sur la DMZ et en Corée du Nord pour faire tomber le nouveau régime du général Song. Aujourd'hui, le président a réaffirmé la nécessité de cette mission de paix. On peut éteindre les lumières? Lumière, s'il vous plaît. Merci. Bon, Fiona, vas-y, on t'écoute. Merci. Ok, bon, alors aujourd'hui, le Conseil doit voter le projet Song. Pour Exops, c'est une occasion unique, financièrement parlant. Mais c'est très risqué. La Corée du Nord est un bourbier où les alliés s'enlisent à cause de cet homme. Oui, on en a déjà parlé. Ça ne pourrait pas nous poser un problème, comment dire, moral? Cet homme est diabolique. Il a tué son père après le coup d'État. Tous les médias sont sur le coup. Toute personne qui opérera sur la zone deviendra célèbre. Oui, mais on pensait envoyer un seul agent discret. Souvenez-vous que... La Corée du Nord est complètement désorganisée. La presse est là, mais notre agent pourrait raser la moitié du pays sans que personne ne remarque notre présence. Autre chose, en dehors des 100 millions pour Song, il y a une prime alléchante pour chaque membre des 52 cartes, surtout si on les capture vivants. C'est bien marqué « homme d'affaires » ? Contrefaçon, trafic d'esclaves. Si on appelle ça des affaires, alors oui, ce sont des hommes d'affaires. En résumé, on infiltre un seul agent pour ramasser les primes. On a un avantage sur les alliés. On peut travailler directement avec les factions en présence pour avoir des infos solides sur les 52 cartes. Oh, allez, Fiona, les alliés n'ont jamais rechigné à... Travailler avec la mafia? Pas avec des journalistes de GSRN dans les pattes. Écoutez, en collaborant avec les factions, on peut saper le pouvoir de Song à la base. Song se cache, mais s'il y a quelqu'un qui sait où il se terre... Ce sont ces hommes. J'ai compris. Vous défendez bien votre cause, Fiona. Je pense savoir quelle sera la décision du Conseil. Mais j'ai encore une question. On compte donc sur un seul agent. Vous avez quelqu'un en vue? Oui, oui. Je crois que je tiens le candidat parfait. Je rêvassais. Quand est-ce qu'on nous déploie? La zone de drogage sur la DMZ est à 10 minutes. Eh ben, dire que je devais être surclassé? Bon, on y est presque. Tu devrais aller t'équiper avant le parachutage. Tu as regardé ton nouveau PDA? Ouais. Il a l'air mieux que celui qu'on avait en Libye. Espérons qu'il soit plus solide. Mais tu prendras mieux soin de celui-ci, n'est-ce pas? Je ferai de mon mieux. Je t'ai entendu. Arrête de te défouler 2 minutes pour que je teste notre connexion. Je suis relié à toutes les fréquences satellites que je peux intercepter. Alors quand j'envoie un signal sur ton PDA, tu dois le consulter. Ça lit les MP3? Bien sûr. Sérieux? Non. M67. Des grenades à fragmentation. Pas mal pour commencer. Je sais que c'est pas génial. Bah, c'est toujours utile. Ici Blackbird, j'ai un visuel de la DMZ. Il y a du grabuge sur la zone de dropage. On va se faire discret. Tu as entendu? C'est le moment de foncer. Chris, tu es prêt? Ouais. On dit que la zone démilitarisée est l'endroit le plus dangereux de la planète. Je
t'inquiètes pour moi, Fiona? Je me soucie surtout de l'argent. 100 millions de dollars? Tu crois qu'on peut dépenser autant en une vie? Crois-moi, j'essaierai. Expliquez-moi pourquoi c'est toujours nous qui nous coltinons tous les problèmes. Et je ne veux pas entendre les mots autorisation, approbation, permission. Qui c'est ça? Chef, c'est un privé. Exops m'a contacté et j'ai accepté... Un mercenaire? Comme si j'avais pas assez de problèmes. Sortez! Thank you.
est coincé. On va appeler un hélicoptère des forces alliées pour l'évacuer.